Salut YouTube et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Assassin's Creed Odyssey. On essaye de sauvegarder, voilà, c'est ce qu'on veut. Il nous reste deux bateaux athéniens de la mort à couler. C'est athénien ça là-bas, Michel, bah vas-y. Ah oui, c'est tout à fait atteignant ça. We're at maximum speed. Our speed. Fast as we can. Ah non, c'est pas du tout atteignant ça. Archer, to the front. Oh là, oui, non, c'est pas du tout. C'est pas du tout ces batailles-là que je voulais. Je vais recharger. Bah oui, je suis obligé. Pas je suis obligé, non, je pourrais assumer, mais. Celle-là, bah oui. Mais je me suis quand même bien gouré de. Je me suis gouré de bateau, alors c'est emmerdant. Il a rechargé le jeu avec un temps de merde. Head for overwater! More oars! Oh là là, il y a des gros bateaux. Oh là là, il y en a des. Faster! We can't go any faster! Forward! Oh là, non, ils sont trop gros ceux-là, Michel. Ouais, non, il est trop fort aussi, putain, merde. Ah putain, mais oui, mais c'est mal branlé. Putain. Moi, je trouve quand même que le jeu est gâché par tout un tas de petits détails d'ergonomie. Vraiment. Détails d'ergonomie qui étaient meilleurs sur Odyssey, sur Origins, c'est quand même pas banal, hein. Let's go. I need Archer. Celui-là, il est pas trop au niveau, ces deux-là, là. Let's move. C'est bon. Hein. Maximum speed. Increase speed. Archer, take your mark. Oui, c'est bon, voilà. Bows ready. We missed them. Faster. They're ready to lose. One more arrow. Ready arrow. We should move carefully, Commander. More oars. Ravage speed. Archers, get ready.
Ah bah hop, y'a plus. Sauvegarder déjà, toujours pas. On est presque full. Voilà. Bon, on doit pouvoir s'en faire un de plus. Avec l'aide de notre top 1 là. Dans la gueule. Bon d'accord, je suis obligé donc j'y vais. Là. Bon bah on devrait être bon là. Oh, putain, 16% de dégâts de poison. On va sauvegarder.
est dans les tiettes là. Y'a pas la tiette de l'autre là pour son bateau Il est où son casque là je... Ah oui, dans la mise à jour 1.0.3, il y a l'histoire du Minotaur là, mais on verra ça plus tard, Michel. Pour le mec, quand il m'a demandé de récupérer le truc de son père, mais Michel, je sais pas où c'est. Hein. Ouais, écoute, on verra bien, on va rentrer. Let's let the roars rest, commander. Look there, salvage. Michel, ton histoire de casque, tu as une idée, hein. Ah, oh, you're back! I overheard fishermen telling tales of the Adrestia cutting through the sea. The Athenian navy is scrambling. Ah! Let their blood feed the sharks. Don't thank me yet. Your father's helmet is gone. I can't even remember his face anymore. That helmet was all I had left of him. But you broke the navy. That will be my vengeance. You have heart, but your troops are your family now. The Athenians will want to kill all of us for what I've done. Then we need to strike first. Exactly. If that's the plan, we attack their commanders. Athenians are sheep. Kill the shepherd, and the flock will flee. March on them, and they'll see you coming. I work better alone. I'll take care of these commanders. You're going straight for their throats. Still, leave some Athenian blood for me. I need to know where to find them. Kira's spies tracked all three of them. One guards the quarry. One's camped nearby. And the third? Him, we don't know. I want names, Thaletas. This Andros commands the Athenian elite guard. Polemion is their strategist. And the last, a general named Neocles, is missing. When the commanders are dead and more Spartans arrive, there will be plenty of blood for both of us. Ok. On continue. Alors, est-ce qu'il y a toujours la tête de Micheline là? Ouais, la fureur de Kira. On va payer des primes pour pas être emmerdé. Donc le premier est au campement militaire des Lélèges, dans l'ouest des collines d'Artémis.
Mykonos. Bon. C'est celui-là. Ensuite, Isandros, il est à la carrière de Sienit dans le sud de la pointe de la taverne. À Mykonos. Bon, j'ai envie de dire que c'est ça. Et... Et Néoclès se trouve quelque part à Delos. D'accord, il est là, quoi. D'accord. Bah, faudra y aller, quoi. Pas d'embrouille. Écoute, on va commencer par là. Puis du coup, on va se téléporter là. Le truc avec les dagues... C'est qu'il y a tellement moyen de stunlock l'adversaire avec le bon rythme, mais c'est pas si facile à faire que ça, que t'as tendance à te laisser déborder par le rythme des dagues et du coup tu prends des coups gratuits. Tu n'as pas le... C'est pas comme avec la hache ou le marteau où il n'y a pas de problème, tu mets un coup, t'attends que le mec attaque, tu paries ou tu dodges et puis tu lui mets un coup et puis voilà, t'es toujours en attente. La dague est plus proactive comme... Hiding in plain sight. Comme style de jeu, et du coup t'as tendance à faire beaucoup plus d'erreurs avec la dague, c'est beaucoup plus agressif du coup They'll be on high alert here. Merde, il m'a vu. Je l'ai pas vu, putain. Chapeau l'aigle qui a pas pris tous les mecs. Hein. Beau boulot, Michel. Hein. Putain, ils arrivent à 40 000 les mecs. Vous êtes des petits malins ou... Qu'est-ce que c'est frustrant ça, le mec avec un putain... Un vieux javelot et one shot, oh là là... Il me one shot pas vraiment, mais il m'aurait one shot aussi, enfin quasiment. Ça m'enlève, je crois que c'est le genre de connerie, ça m'enlève 80% de la vie. Minimum. Qu'est-ce que c'est frustrant.
J'ai eu un moment quand je faisais une mission que j'ai pas recordée, mais d'une frustration vraiment, vraiment très, très élevée. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah bah c'est du beau boulot, Michel. Ça. Un batté, tu es, putain. Michel, le timing, ça te dit quelque chose ou pas? Jamais parti le pari, il marche plus le bouton ou quoi? Oh là là, jamais le pari est sorti. Alors que ça, c'est quand même des timings que je maîtrise et surmaîtrise, mais le pari n'est jamais sorti. C'est louche. Hein. Parce que 4 fois, au moins, pas 4 fois, mais au moins 3 ou 4, 4 coups, il m'a mis en tout que j'ai jamais parié et ça. Faut pas exagérer, Michel, ça m'arrive jamais. Hein. Un ou deux, je veux bien, mais louper 4 fois le timing. Non. Hein. Michel, pêche-toi. On m'explique comment j'ai pu être touché là, s'il vous plaît. Putain, les mecs, c'est plus que des snipers quoi. Comment ils arrivent à toucher les mecs de là? Mais tu tires au pif et il me vise quand même, hein. C'est quand même magnifique ça. Hein. C'est beau Michel. Hein. Ah merde. Please,
Où que t'es, Michel? Bah, je veux bien, mais. Hop là. Tout le monde est mort ou pas là? On dirait bien. There's one. All the marble in Mykonos can't save you from my spirit. Ok, c'est derrière. L'autre machin en bas, voilà. J'ai pas looté le chef que j'étais venu. Que j'étais venu spécialement me fumer, mais bon, bah tant pis. C'est pas grave. Bon, allons faire le deuxième. Alors. Déjà, il a l'air d'avoir un peu plus d'espace pour se battre dans celui-là. Ça a l'air mieux. Ok, bon, Michel. On peut se sauvegarder parce que je crois pas que j'ai avoir sauvegardé donc voilà. Alors le Michel il est là-bas. Il a l'air assez safe de, d'aller ici. Ah bah oui, t'as raison. Faire une sauvegarde parce que j'ai fait un contre un. On va pas le perdre. Ok. Hop là. En voilà un de moins. Voilà. Déménage Michel hein. Ah, il veut pas le toucher lui, il est peut-être trop loin, je sais pas.
ça marche pas bien avec lui. Ah, je pourrais aller m'ambiancer. Hein. Marche bien là, mine de rien. Hop là. Tout à fait. On va aller dans l'inventaire, on va refaire des flèches. Hop là. C'est bien ça. Il restait plus que lui à un moment donné. Mais il reste plus que lui d'ailleurs, ils sont plus que deux. Écoute, je vais aller sauvegarder pour pas faire le con. Et on va y aller, hein. Bien lâcher ton poteau, s'il te plaît, merci. Defected and is hiding on Delos. These are orders to kill him. Okay.
Bonjour messieurs. Ça tape dur. Néoclès, il est à la ferme d'Elaïs, dans les collines de Tintos. Adelos, alors les collines de Tintos, c'est en bas. Donc c'est un de ces trucs-là, ok. J'ai deux quêtes. La furent de Tyrin et M pour meurtre. Je vais aller finir ma quête quand même avant. Quand même. Quand même. Du coup, on va dire. Ah putain, puis j'ai ça aussi à faire. Oh là là. On va aller là dans un premier temps, on va aller là. Voilà. Il est où mon bateau? Il est là. Je pourrais me téléporter direct au bateau, ce serait le plus simple. Hein. Je vais en avoir besoin de toute façon. Donc, voilà. Va déjà lui parler à lui si tu veux. You left a message on the board. What's the matter? Yet another young man swore he would prove himself the sole person worthy of my affection. That's nice. Maybe so, Mistios. But I don't think this one will return. The poor fool has gone line hunting. He's a good client. Would be a shame to lose him. You want me to be the protector? That's exactly it. Will you do it for me? I'll handle this. Then I can rest easy. I'll come back when I'm done. Ok, on verra plus tard. On va déjà aller. Tanière d'ours perdu. Il y a un putain de nounours là-bas. Écoute, pour le moment, j'en ai rien à foutre. Il y a plein de mecs morts, évidemment, bah oui. Mais pour le moment, je m'en fous. Pas ça qui m'intéresse. Bonjour messieurs. Je veux pas être libéré, je sais pas qui t'es.
J'en ai rien à foutre. Des coins quand même, hein, Michel. Hein. Faut dire ce qui est. Alors, c'est vrai que, a priori, il y en a beaucoup, j'ai déjà dit, mais pour beaucoup, l'Egypte, c'est au-dessus, moi, Grèce antique. C'est comme la Rome antique. Hein. C'est indépassable, hein, je pense. Hein. Peut-être qu'il y a vraiment que les trucs mayas, hein, Thierry et compagnie, qui peuvent tenir le menton. Hein. Franchement. Évidemment, il y a encore sans doute plein de quêtes dans ce merdier-là. De toute façon, tu marches dans le vide, Michel. On est là. C'est la mission du mec, ça ? Non, écoute, je vais aller la faire, parce que sinon... ça, c'est juste là. Écoute, je vais la faire. Comme ça, c'est fait, on est juste à côté. Sauvegarde, ouais, on va suivre la quête. On va sauvegarder quand même. I'm here to look after you. Thank the gods. I hear them coming. Ah merde, c'est quoi qui... Oh putain, des lions. Bien ou pas? Oh putain! Job well done. I am grateful, Icarus. Ok. Et on va retourner voir la bonne femme, elle était où putain? Là-bas, oh là là. Le bout de la terre, c'est quoi ces putains de. De lions gigantesques là qui se pointent? Ouais, du coup, ça me fait passer par la tanière du gros nounours là, du coup. Je vais rien savoir. Et puis du coup on ira poursuivre notre exploration et découverte de cette île lors du prochain épisode évidemment. Mistyos, were you able to keep him safe? He's safe, thanks to me. Thank you for all you've done. Please, take this. All in a day's work. Viande pourrie, bah c'est sympa, Michel.
Alors, le journal, on était en train de faire cette chose-là, voilà. On va sauvegarder, et on va se dire à la prochaine fois, YouTube, et oui. Nous avons rendez-vous pour le prochain épisode. Salut les gens.